Hey, les gars, ça va pas, hein. Y a même pas, on va même pas faire de générique, on va y aller direct, les gars. Direct, direct, direct. Donc, on a eu un match ici, Barcelone-Celta Vigo. On jouait à Barcelone. On jouait devant notre public. On était là, on était chaud, 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 les gars. En plus, on a le match contre l'Inter qui se prépare. On a quelque chose à prouver. On est censé prouver maintenant qu'on est supérieur aux adversaires. Ok, donc première mi-temps, les 30 premières minutes, elles étaient parfaites. Les déplacements, les trucs, les tirs. On a eu Rafinha qui a tenté un tir de loin. Torres a tenté 2-3 trucs aussi, c'était sympa. On a eu des mouvements, on a eu Busquets Prime, on a eu droit à un Pedri magique, un Gavi partout, 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 Gavi partout. La défense, on la voyait même pas parce qu'on maîtrisait le jeu. On maîtrisait le jeu. Première mi-temps, c'était parfait. C'était parfait. On a même eu droit à un arbitre qui décide de pas siffler un penalty sur Rafinha. Donc, on était vraiment sur une normalité. Voilà, c'était la normalité, les gars. On domine, on tire, on a la possession, on nous refuse des penalties. Voilà, la chose classique, le truc banal, le Barça habituel. Le Barça qui tue pas le match, malheureusement, qui ne tue pas le match. Le Barça qui doit tuer le match à un moment donné et se dire, voilà, on doit rentrer à la mi-temps avec deux ou trois buts, parce que c'est comme ça que ça doit aller, normalement, le Barça. Ça peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Surtout qu'on a vu que Xavi, il a commencé à. Il y a eu un changement tactique. Il y a eu un changement tactique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Pedri jouait plus haut. Je trouvais même qu'il était plus haut que Lewandowski. Et tant mieux, ça nous a apporté le but de Pedri que le défenseur lui a offert gratuitement. C'était super cool de sa part, du moins. Et on a vu Pedri plus haut, on a vu Gavi plus bas, et il y avait un équilibre. Busquets, tantôt que. Allez, Regista, comme ça fonctionnait super bien. J'étais même en train de me dire, tiens, Alba il joue bien, Piqué il joue bien, Marcos Alonso ça a l'air d'aller à cet endroit-là, Balde à droite, bon ben il percute pas comme à gauche, mais voilà, c'est déjà pas mal du tout. Je me dis, ben ça va, l'équipe elle est bien en fait. Première mi-temps, on la termine, je me dis, ben tranquille, dans un fauteuil, tout va bien. Et là commence la deuxième mi-temps. Une catastrophe. On l'a démarré en catastrophe. On l'a démarré en catastrophe cette deuxième mi-temps. Mais en catastrophe, les gars. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Et au point que je me suis dit, tiens, Xavi, il va quand même nous sortir Ferran, il va essayer de faire quelque chose, faire rentrer Fati, faire rentrer Dembélé. Je me dis, bon, il faut peut-être faire sortir Busquets pour Frenkie, pour essayer d'apporter quelque chose ou quoi. Je me dis, voilà, apporter quelque chose de frais. Et qu'est-ce qui se passe à la 60e? Dembélé, Fati, Frenkie rentrent. Torres, il sort. Rafinha, il sort. Et Pedri sort. Bon, Rafinha et Torres, ça faisait 20 minutes qu'on les voyait plus. On s'est dit, bah, ils ont disparu. Ils avaient disparu, les gars. On se dit, bah, c'est bon, Dembélé, Fati, ils vont apporter quelque chose. Et rien. T'aurais laissé Rafinha et Torres. Ça aurait été la même chose, les gars. La même chose. Dembélé a fait une seule frappe cadrée à la 82e minute. Fati, aucune frappe cadrée. Aucun décalage réellement. Fati, ça a été une catastrophe. Torres, en fait, il a été sur la lignée de Torres. Torres, il a été très bon pendant 35 minutes. Il a disparu. Fati, il est rentré. Il est dans la même lignée. Disparition, rien. Dembélé, il rentre à la place de Rafinha. Rafinha, pareil. Il avait disparu à la 35e, 40e minute. On fait rentrer Dembélé, Dembélé pareil. Disparition. Disparition, les gars. Et alors je me dis, bon ben, il y a Frenkie, les gars. Frenkie, il rentre, il doit prouver. En plus, là, il doit prouver quelque chose, Frenkie. Il revient de blessure et tout, il veut titulaire. On veut qu'il apporte quelque chose contre l'Inter. La différence de niveau qu'il y a entre Frenkie de Jong et Pedri, les gars. Ah, il y a un monde. Il y a un monde de différence entre les deux. Mais un monde. Autant quand j'ai vu la formation, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que ça va donner? Torres, Rafinha. Ça a été. Ça a été. Après, ils ont disparu, mais ça a été en soi sur les 30 premières minutes. Mais j'avais des doutes sur la défense. Je me suis dit, Alba, Marcos Alonso, Piqué et Baldé pas sur son bon flanc, ça c'est de la défense expérimentale où je m'y connais pas, les gars. Hein. Ils ont tenu! Ils ont tenu! Ceux pour qui j'avais des doutes ont tenu. Oui, il y a eu des boulettes, oui, ils ont fait deux, trois petits trucs, des approximations. Mais ça va! Ils ont pas été mauvais! Il y a pire, les gars, comme match. Piqué, il a tenu la baraque!
Alba, il a pas été trop mauvais. Qu'est-ce que je vous dise? Là où je m'attendais à ce que ça foire, ça n'a pas foiré. Là où je m'attendais à ce que ça fonctionne, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas été là-bas. Parce que offensivement, on est d'accord. Raphinha, d'habitude, il peut apporter. Il sait dribbler quand même, le gars. Il sait faire quelque chose. Là, il n'y a pas eu grand-chose, à part sa frappe là sur le coup franc. Et c'est tout? Torres, il y a eu une frappe aussi là vers la 15e minute. Bah, elle était pas mal du tout, mais c'est tout. Robert, je sais même pas s'il a tiré aujourd'hui, Robert. Je sais même pas s'il a tiré. On a Gavi, il a fait un match hors norme. Donc ils mettent Gavi homme du match. Bon, pour moi, c'est Ter Stegen homme du match. Pour moi, personnellement. Hein. Mais après, voilà, on peut mettre Gavi homme du match, il n'y a pas de problème. Hein. 13 km parcourus, je ne sais pas combien de ballons il a récupéré, je ne sais pas combien de tacles défensifs il nous a fait, je ne sais pas combien de percées offensives il a fait. Le garçon, il était partout sur le terrain. Partout. Pedri, il était partout sur le terrain aussi. Busquets, masterclass aussi. Donc le milieu de terrain, en fait, il a tenu jusqu'à ce que Pedri sorte. Jusqu'à ce que Pedri y sorte. Une fois que Pedri il est sorti, c'est comme si tu jouais avec un homme en moins. T'as enlevé Pedri, t'as fait rentrer personne. Ça ressemblait à ça. Ensuite, Dembélé, tu le fais sortir à la place de Rafinha pour apporter quelque chose. Rien. Même dans les décisions, il part en contre-attaque. À un moment donné, il part en contre-attaque. On est entre quasiment la 90e minute. Hein. Il part en contre-attaque. Et au lieu de faire une belle petite passe en retrait, Robert, il est à la petite simple, Robert. Rien. Rien, un vieux truc bizarre, je sais pas, j'ai pas compris, je sais pas. Je sais pas si les joueurs avaient la tête à jouer contre le Celta ou pas. Parce que pour moi, ils avaient peut-être le match contre l'Inter en tête et. Parce que la deuxième mi-temps, les gars, si le Celta Vigo il nous met deux buts, un but, trois buts, c'est la même chose, les gars. Hein. On a eu de la chance, Ter Stegen, il nous a arrêté des trucs, Piqué, il nous a arrêté des trucs, Garcia, il est rentré, il nous a arrêté des trucs aussi. Ils ont, défensivement, on a tenu la baraque contre une équipe qui, normalement, on ne doit pas souffrir comme ça. On ne doit pas souffrir comme ça. Quand tu vois les 35 premières minutes du match, tu te dis que, normalement, ça doit être tout le match comme ça. Oui, tu peux avoir un ou deux moments de flottement, mais là, le flottement, il a duré 45 minutes, les gars. 45 minutes de flottement. Alors après, je ne sais pas, Xavi fait des changements pour faire tourner un petit peu, pour préparer la Ligue des Champions, je veux bien, il a des joueurs qui sont pas rentrés pour la Ligue des Champions aussi, mais les remplaçants, ils doivent apporter quelque chose. Les remplaçants, quand ils sont là sur le terrain en train de se dire oui, on est des simples remplaçants, ils doivent pouvoir te dire oui, je veux montrer que je suis là, oui, je veux montrer que Xavi peut compter sur moi, je veux faire douter Xavi sur ses titulaires. Aujourd'hui, je sais pas, à part Pedri, Gavi, Busquets. Où je me suis dit, eux, bah, c'est le noyau dur du milieu de terrain, ils ont été à la hauteur. J'arrive pas à trouver d'autres joueurs qui ont été à la hauteur, à part Piqué. Piqué défensivement est à la hauteur. Je suis le premier à cracher sur Piqué, je suis le premier à dire Piqué, il doit sortir du 11. Mais aujourd'hui, Piqué a été à la hauteur. Voilà. Piqué à la hauteur, Ter Stegen à la hauteur, notre milieu de terrain à la hauteur, les remplaçants nulle part, les attaquants nulle part, les ailiers ils ont rien apporté de spécial non plus, ça a été un match catastrophique. Et la deuxième mi-temps, ça a été horrible les gars, horrible la deuxième mi-temps, horrible. J'ai jamais vu le Barça souffrir autant à domicile que depuis Koeman. Non, est-ce que c'est à cause de Xavi? Est-ce que c'est pas à cause de Xavi? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le manque de comptabilité? Je sais même plus dire le mot, je suis fatigué les gars, je suis fatigué aujourd'hui. Je me dis que si on doit jouer le match avec la même intensité contre l'Inter, on va en Europa League les gars, on va en Europa League là si on joue comme ça contre l'Inter. Maintenant je me dis, est-ce que voilà, il y a le match contre l'Inter qui arrive, les joueurs ils se reposent, ils ont pas voulu donner trop, les joueurs qui étaient sur le terrain, on sait bien qu'Alba, bah, ce sera sûrement Baldé à gauche contre l'Inter, Piqué, Garcia, ce sera sûrement ça, c'est notre défense, Piqué a montré qu'il pouvait être à la hauteur, Garcia, il est bon, à droite, j'ai des doutes, Baldé, oui, j'ai envie de dire oui pour Baldé, mais il nous manque vraiment un vrai défenseur droit, parce que bah, ça serait moi, Baldé, il sera à gauche. Et le problème c'est que je mettrais Balda à gauche et à droite en fait là en ce moment. Il n'y a personne sur les flancs qui a son niveau. Personne, personne. Et à moins que Koundé revienne par miracle, personne. Ensuite je me dans ma tête, je m'étais dit, mais contre l'Inter, on va mettre Frenkie de Jong.
À la place de Busquets, comme ça, Frenkie, avec Pedri et Gavi, ça va apporter quelque chose, quelque chose d'offensif, quelque chose qui est. Mais là, Frenkie, avec ce qu'il a montré, pour moi, je sais pas. Je sais pas s'il est prêt à jouer contre l'Inter, le Frenkie. En attaque, bah là, il a mis Torres pour essayer de voir un peu comment il était. Bah, ça a été bon, 20 minutes. 20 minutes. Mais est-ce que c'est suffisant, 20 minutes, contre le Celta Vigo? Non, c'est pas suffisant. Non, bien sûr que non, que c'est pas suffisant. Raphinha à droite, il a montré des belles choses, mais. Ça n'a pas duré longtemps, pareil. Autant Torres s'est éteint au bout de 20 minutes, autant Raphinha s'est éteint au bout de 35-40 minutes. Après, il n'y a plus rien eu. Robert, on l'a pas vu. On n'a pas vu Robert. Donc, on a les 3 points. On est premier. Ok. On va se dire que les joueurs, ils ont le match contre l'Inter en tête et qu'ils ont ce match-là en préparation. J'espère que Xavi, il sait ce qu'il fait. Vraiment, j'espère que c'est ce qu'il fait. J'espère que les joueurs, ils savent eux aussi ce qu'il faut faire et qu'ils comprennent ce qui doit être fait sur le terrain. Parce que là, ça va être compliqué, les gars. Très compliqué. En attendant, les gars, bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude. Faites-vous plaisir. Vous, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Mais voilà, moi, pour moi, c'est assez négatif. On a les 3 points, mais pour moi, c'est très négatif comme match. Très, très négatif. Allez, les gars, bonne soirée.